quite relaxed here. I feel like I should just shut down the episode, go home and relax. Whew. This is one of his creations and I'm eager to get you to meet him. Now, his story is very, very intriguing. He's been around Douala. He has met a lot of people, very artistic mind. He developed a bar we all know, which was the Rum Cafe Bar in Bali. He moved on to another space in Bonapriso and we got to know him, loved his work. And he came down here, built something quite amazing. Loved the colors, loved the cultural integration. And he named it somewhere. It's Stefan Elundu. Dans cet univers qui est le mien, je tiendrai vraiment à vous faire vivre ma vie, donc la vie de peintre, la vie d'artiste plasticien, celle qui consiste à faire des signes. Alors vous êtes les bienvenus. Venant d'un papa écrivain et d'une maman ménagère, et quelle était fondamentalement ma constitution pour en fait explorer ce que je voulais, mon devenir, mon destin. Et c'est de là où, dans mon fond intérieur, j'ai trouvé que tout était lié à l'amour. Et c'est ainsi que j'ai, n'est-ce pas, réalisé que la vie pouvait être, n'est-ce pas, cette performance où perpétuellement on est en quête de soi. Et aujourd'hui, mon art est un peu, n'est-ce pas, cette façon de, je vais dire, cette façon de marcher. Je veux dire, marcher en quête de quelque part. L'idée de bar de boisson est un prétexte. Ça a été le prétexte simplement pour réunir les gens autour de ce que je faisais. Parce qu'en fait, dans mon désir de m'exprimer, il fallait forcément qu'il y ait des gens pour m'écouter. Parce que chaque fois qu'on a senti l'envie de parler, on a toujours eu envie de le faire devant des gens, avec des gens. Voilà. C'est pour ça que le prétexte était simplement de créer un concept. Et le concept, pour certains, ceux qui le connaissent, a été le Makofé, qui a connu un énorme succès. Le Makofé à Bali, le Makofé à Bonapriso, le Makofé à Bonamincano et le Makofé désormais au Somwer. Le Cameroun, pour ma part, est tout sauf facile. Je dirais que c'est simplement lié au fait que la culture est un peu mise en arrière comparativement à d'autres contrées où j'ai eu, n'est-ce pas, à apprécier la façon dont la culture était mise en avant. Et donc ici, je me plais pour avoir constaté que je ne suis rien sans mon patrimoine. J'essaye de réinventer les lieux en faisant des signes qui tentent à présenter cet enjeu de valorisation du patrimoine. Ma vision n'est pas de changer le monde, elle est juste celle de faire des grands signes humains. Parce que sera le monde si l'humain cesse d'exister? Parce que la grande observation que je fais, dans un monde qui n'a que le souci d'évoluer en ignorant certaines valeurs, c'est de dire que c'est de constater et d'attirer l'attention sur le fait que l'humain est menacé par toute forme d'évolution. C'est dommage que chaque fois que j'évoque, on essaie de vouloir
avec des amis, c'est toujours revenu, on est toujours revenu sur des valeurs dites africaines. Mais je pense que la nature tout entière, elle a pour base l'Afrique, puisqu'on l'a définie comme le berceau de l'humanité. Le conseil que je leur donnerais à ces jeunes artistes, c'est vraiment de maximiser l'écoute de soi, parce que très facilement, on chute dans l'impact du stéréotype qui a tendance à valoriser les formes. Et du coup, les jeunes artistes paraissent et ne sont pas. Parce que l'artiste, c'est la vérité. L'artiste, c'est la lumière. L'artiste, c'est la sagesse. Et il faut permanemment, constamment se poser la question sur le rôle de celui-ci. Un artiste doit pouvoir définir son rôle dans une société. Bravo! Yeah. Vas-y, encore, cherche-nous encore un peu de peinture. Ouais. Ouais. Nice! Wow! Ouais. Super! Tu vois? Tu vois que tu mets un peu de lumière? Ouais. Voilà! Tu vois? Tu mets un peu de lumière. Et au fur et à mesure, c'est une thérapie parce que peindre, en fait, la première satisfaction, c'est toi. Parce que, c'est-à-dire, tu vois, tu transformes l'ombre en lumière et c'est déjà une thérapie, tu vois. Tu le fais dans la forme, mais au fond, tu sens comment tu vois. Fait, ça me libérait de quelque effectivement. Chose, je ne savais pas exactement quoi. Ah bah ouais, justement. Ça faisait sortir... Something voilà. Coming out. Nice, and nice. Just do it again. Just do it. I like it. I'm going to spoil it. Yes. No. Take it here. This way. Yes, this way. So. Same color. Yes, yeah, same color. Non, avec l'eau juste. Voilà, comme si tu lavais, comme si tu nettoyais. C'est cool, hein? It's nice. Yeah, I feel like I should take this up for like a weekend activity. Yes. Now it's tell me, Stéphane, nice. What was your idea behind somewhere? Quelle est l'idée derrière cet espace somewhere? Donc l'idée de venir avec cet esprit, cet état de choses ici au somewhere part du fait que j'ai constaté que les jeunes manquaient d'espace de culture. Et donc j'ai rencontré le chef de Bounassama qui, heureusement, il a senti venir et il a été volontaire pour accompagner cette initiative. Et donc, le Somwar, je l'ai mis sur pied dans l'optique de regrouper, de faire une corporation d'artistes et qu'ensemble, nous soyons dans la valorisation du patrimoine. Donc aujourd'hui, ça avance tant bien que mal, malgré les difficultés d'accompagnement financier et tout. Mais on se dit, on va mettre, toute la volonté étant, on va la mettre pour que, n'est-ce pas, que cet espace soit un espace de valorisation et intéresse les jeunes dans les domaines d'insertion, c'est-à-dire qu'on puisse les insérer dans les domaines, liés à l'art. Et vous voyez, c'est un vieux bâtiment qui a servi d'ancien abattoir. Donc les locaux, ils ont été inoccupés. Alors on a commencé par le valoriser avec des peintures. Le groupe d'artistes qui s'est prêté au jeu, ils sont là d'ailleurs. Et nous avons donné tout cet aspect que vous pouvez constater. Ensuite, on a commencé par proposer aux ateliers. Les jeunes de la proximité y viennent pour apprendre à dessiner, d'autres jouer. Et nous continuons avec un autre second projet qui est d'intéresser les gens, les personnes sur les plans d'eau, question de les balader. Voilà. D'accord. Voilà. Merci Stéphane, merci pour ma première leçon in painting. Yeah. I'm taking this off as my C'est toi qui l'as peint, hein? c'est ton œuvre. I hope you enjoyed tonight's episode. Check us out on Facebook, Instagram and Twitter at The Miss P Show.